39 ans, Cristiano Ronaldo vient de claquer un doublé magnifique face à la Pologne. Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode, où, nous allons parler des différents résultats des matchs d'hier. Abonnez-vous à notre chaîne NG Foot pour ne rien rater de l'actualité du football mondial tous les jours. Voici les résultats des matchs joués hier pour les qualifications à la Ligue des Nations UEFA. En Liga, le Portugal a battu la Pologne 5 buts à 1. Dans un match où les Portugais ont dominé avec un doublé de Cristiano Ronaldo, dont une panenka sur penalty, et une reprise de volée magnifique sur un service de Vitinha, et inscrit donc ses 909e et 910e buts, et devient également le joueur avec le plus de victoires en équipe nationale, devançant ainsi Sergio Ramos. Rafael Leao a également été buteur, ainsi que Bruno Fernandes, et Pedro Neto qui ont tous été buteurs. Avec cette victoire, le Portugal est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. L'Écosse s'est imposée 1-0 face à la Croatie, grâce à un but tardif, de John McGinn qui a offert la victoire à l'Écosse. Le Danemark s'est incliné à domicile 1-2 face à l'Espagne, grâce à des buts de Mikel Oyarzabal et d'Ayosé Pérez, malgré un but du Danois d'Isaksen. Pas de vainqueur entre la Suisse et la Serbie, qui se séparent sur un but partout, grâce à des buts de Hamdouni et de Terzic. En qualification pour la CAN 2025 en Afrique, les Comores ont surpris la Gambie avec une belle victoire 2-1. La Zambie quant à elle, a surpris également la Côte d'Ivoire grâce à une victoire 1-0, et se donne les chances de qualification. L'Afrique du Sud s'est imposée facilement 2-0 face à l'Ouganda. Tarif minimum également pour le Mali face au Mozambique, grâce à un but de Kamori Doumbia. Match nul pour l'Égypte face au Cap-Vert, match nul également entre la Mauritanie face au Botswana, ainsi que le Kenya face au Zimbabwe. Le Maroc a écrasé le Gabon grâce à un doublé de Brahim Diaz, tandis que le Ghana concède le match nul face à l'Angola, et ne sera pas qualifié pour la CAN 2025 au Maroc, c'est une grosse désillusion pour le Ghana qui est un géant d'Afrique. En Asie, le Japon s'est imposé facilement face à l'Indonésie 4-0, et est officiellement qualifié pour la Coupe du Monde. Au Brésil, l'absence de Neymar se fait ressentir, car, depuis son absence pour 6 mois, les trois attaquants, Vinicius, Rafinha et Rodrigo, n'ont pas pu marquer les 18 buts, autant que lui sur ses 26 dernières matchs, et cela montre l'importance de Neymar au Brésil. Comme annoncé il y a quelques jours, la Juventus de Turin résilie le contrat de Paul Pogba, et se sépare du champion du monde, qui est maintenant libre de s'engager avec le club qu'il souhaite dès cet hiver. Après le grand frère, le Borussia Dortmund souhaite recruter le petit frère de Jude Bellingham, et a déjà entamé les discussions pour payer les 12 millions d'euros que réclame Sunderland. Mario Hermoso de la Roma, et Jonathan Tah de Bayer Leverkusen, sont pistés par le Real Madrid, pour remplacer les blessés dès cet hiver. En grande forme depuis le début de saison, Omar Marmouche est pisté par le FC Barcelone, pour doubler Lewandowski, tandis que Jonathan David, est ciblé par la Juventus de Turin pour doubler Dusan Vlahovic pour 45 millions d'euros. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à NG Foot pour ne rien rater des prochaines Actu Mercato, et surtout, de partager vos avis.